Wesh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez, moi, je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes contente de me retrouver, tout simplement. Ça fait longtemps qu'aussi, je n'ai pas ressemblé à quelque chose sur ma chaîne tout court. J'allais dire sur mes vidéos, mais sur ma chaîne tout court. J'ai un peu bâclé ma personne. J'ai un peu bâclé. Là, à un moment donné, il faut faire les efforts. À un moment donné, il faut prouver. Donc là, c'est juste pour vous prouver que je peux être un peu mignonne, un peu. Je peux ressembler à quelque chose, le maquillage ça existe, c'est pas pour rien. J'ai une coiffeuse, c'est pas pour rien. Parle de cheveux, aujourd'hui c'est une routine capillaire. C'est une vidéo que vous me demandez depuis super longtemps, que je n'ai jamais faite parce que... je sais pas. Peut-être parce que j'avais pas trouvé ma routine en fait. Je n'avais toujours pas trouvé la meilleure routine de la Terre. Sachez que cette vidéo, je ne suis payée pour rien du tout. Personne ne me paye ici. Tout ça là, j'ai acheté. Tout ça là, j'ai acheté de mes sous, de ma main, de mon... Voilà quoi. J'ai sué à Waffle Factory, j'ai sué à la cantine libanaise, j'ai sué au château de Vaux-le-Vicomte là. J'ai sué pour acheter tout ça, sachez-le. J'ai travaillé. Bref, on s'en fout, Morgane. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolée, je suis un peu stressée. Je suis fébrile là. Là, je suis fébrile. Donc, je suis grave maniérée. En fait, moi, quand je suis un peu maquillée, je suis un peu coiffée, je suis maniérée. Je sais pas ce que j'ai là, faut que je me calme. Faut savoir que capillairement parlant, je suis passée de tous les trucs. De toute façon, mon nom, si vous me suivez, vous savez que j'ai été blonde. J'ai eu les cheveux violets, j'ai eu les cheveux caramel, j'ai eu les cheveux noirs. Après, j'ai rééclairci, j'ai eu des cheveux. Encore caramel, j'ai refait brun, j'ai refait chocolat, j'ai refait châtain, j'ai refait machin, 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 machin. Toutes les couleurs de la terre, elles sont passées par mes cheveux, d'accord? Ensuite, il faut savoir que j'ai les cheveux hyper longs, d'accord? Hyper longs, épais, longs, épais. Épaisseur, j'ai de l'épaisseur, j'en ai beaucoup dans la tête. Pas dans la tête en intérieur, extérieurement parlant, parce que... voilà, vous avez compris, pas besoin de vous faire de dessin. Bref, j'avais beaucoup de cheveux, j'avais une bonne matière, tu vois, mes cheveux étaient là. Mes cheveux étaient là. Moi, bon, j'ai fait d'opération qui a du fait que j'ai eu une chute de cheveux extrême. Ça fait des années. Et il n'y a que maintenant que je peux dire que je ne perds plus mes cheveux autant qu'avant. Forcément, mes cheveux poussent. Donc là, tu as des queues de rat à la place des cheveux. Et là, tu as une épaisseur. Là, tu as des queues de rat. À un moment donné, j'ai abandonné. J'ai coupé. Comme vous le savez, j'ai coupé énormément de fois mes cheveux ces derniers temps. Et là, j'ai coupé le plus possible au mois de décembre. Donc début décembre, j'ai coupé. J'ai fait un carré court. Un carré au-dessus des épaules. Là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont grave poussé. Juste après. Donc du coup voilà, faut savoir que moi j'ai coupé mes cheveux, c'était pas pour avoir un carré. C'était pas pour être fraîche avec un petit carré, voilà, pas du tout. Moi là-bas c'était pour récupérer mes cheveux, avoir des beaux cheveux longs. Donc moi c'est dans mon ambition d'avoir des cheveux longs et beaux et brillants. Première chose que j'utilise absolument tous les jours, c'est les gummies de chez Lachillée. Vous pouvez les retrouver sur internet, sur le site, je vous mettrai en barre d'infos. Je suis pas sponsorisée, je le répète. Ou en pharmacie, mais ce n'est pas les gélules les moins chers. Enfin moi c'est pas en gélules, c'est en gummies. C'est pas les moins chers, donc vous pouvez totalement trouver des alternatives beaucoup moins chères. Forcapil, Luxéol, il y a quoi d'autre encore? Bref, vous avez plein de marques. Vous avez plein de marques beaucoup moins chères que celle-ci. J'ai pris celle-ci parce que c'est à cause de Poupette. Voilà, elle a dit que ça marchait bien et tout machin. Alors, ce que j'en pense, oui, ça marche pour moi, d'après moi. Ou peut-être c'est peut-être juste une coïncidence, c'est que c'est dans ma tête, je ne sais pas. Il faut en prendre deux par jour, donc moi je les prends le matin, enfin quand je me réveille, parce que des fois je me réveille à 15h, 16h, donc quand je me réveille, je les prends. Donc c'est deux par jour et moi j'ai pris la cure de 3 mois, donc là j'en serai à 1 mois et demi à peu près. Je suis ravie, j'en suis contente. Donc ça, c'est la première chose que je fais tous les jours. Ça fait partie de ma routine. Donc là on passe à l'étape avant shampoing. Avant shampoing, je vais utiliser ces deux produits. Donc c'est des produits de chez Olaplex. Je sais que c'est pas donné les filles, je sais, mais tu les mets une fois. Tu vois, tu mets le prix une fois, ça dure. Ça dure, après il faut faire attention, t'en mets pas une tonne et tout. Ça dure et ça vaut grave le coup. Je vous parle sérieux, ça vaut grave le coup. En premier lieu. J'applique ce produit, donc c'est numéro 0. En fait, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blablabla. Sauf que le 2 et 3, il n'est pas permis à la vente pour nous les particuliers. C'est que pour les coiffeurs professionnels, voilà. Donc là, on a le numéro 0. Donc c'est une espèce de petit pchit que je vais appliquer sur tous mes cheveux avant shampoing. Je vais laisser poser 10 minutes. Prépare, répare, fortifie, protège tous les types de cheveux. Donc voilà, ça c'est numéro 0. Je l'utilise tout le temps, regardez tout ce qui me reste. C'est ça, par contre, il vaut grave le coup au niveau du prix, c'est pas très grave, il dure de ouf. Ensuite, j'ai acheté ce produit-là, donc lui c'est le numéro 3. Donc ça, c'est un son que tu vas mettre avant ton shampoing. Ça va faire. C'est un masque avant shampoing. Il est fait pour réparer, renforcer le cheveu. Donc voilà, il est tout petit. Je sais pas s'il existe un plus grand format, je crois pas. D'ailleurs, ça, je crois que c'est 30 euros, 25, 30 euros, je ne sais plus, mais c'est cher. L'Aplex, faut savoir, c'est cher. J'essaie de vous mettre tous les produits en barre d'infos si jamais vous pouvez être intéressé. Hop, donc voilà. C'est une texture très. Très hydratante, on dirait que je mets de la crème pour le corps sur mes cheveux, c'est dingue. Donc ça je l'adore. Une goutte, vous en mettez un tout petit peu, d'en mettre une tonne ça ne suffit, ça sert à rien.
Et en plus, ça coûte trop cher. Après, t'en auras plus, ça fait chier. Faut dire les termes, ça fait chier. Le shampoing, donc en premier, je vais utiliser l'huile. Donc, lui, j'utilise pas tous mes shampoings. J'utilise un shampoing sur deux. Bon, quoique, je suis une mytho parce que faut savoir que. Ah oui, d'ailleurs, je lave pas mes cheveux tout le temps. Faut savoir que je lave mes cheveux tous les 10 jours minimum. Voilà. Donc, j'espace mes shampoings de 10 jours minimum. En ce moment, je fais ça et ça marche pour moi. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas forcé, moi c'est ce que je fais. Du coup moi j'utilise ce shampoing là, donc c'est un de chez Pomelo. Personnellement c'est le seul truc que j'apprécie de cette marque. J'ai utilisé les huiles, vous voyez, mais c'est une huile quoi. Si je vais acheter mes huiles à Aromazone, c'est la même chose. Donc voilà, donc ça par contre c'est de la bombe atomique. Ce shampoing là, en fait vous voyez, vous avez des grains à l'intérieur. Attendez, je vais essayer de vous montrer, est-ce qu'on va voir. Est-ce que vous le voyez? Voilà, c'est très épais, il y a des grains là. Voilà, maintenant je vais me retrouver comme du caca, ça m'énerve. Bon, je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'on voit? Bon, moi, c'est pas une caméra. Moi, je filme avec mon téléphone. À un moment donné, il faut... Ouais, pas trop m'en demander aussi, pas trop me demander. Déjà, j'ai fait l'effort, vous avez vu, j'ai essayé. Utiliser ou utiliser? On dit utiliser ou utiliser? Vas-y, moi, j'ai une cassose. Bref, ensuite, je viens utiliser ce shampoing Olaplex. Incroyable, et il mousse, c'est une dinguerie. Donc n'en mettez pas une tonne parce qu'au début je me suis fait avoir, j'ai fait ça comme ça, ça sert à rien. Tu mets une goutte, ça suffit de ouf. Parce que il mousse de fou. C'est-à-dire t'as l'impression d'avoir les cheveux bien propres. Du coup voilà. Donc pareil, il dit que répare, renforce et nourrit. Donc voilà, petit shampoing. Ensuite l'après shampoing qui va avec. Donc c'est numéro 5, numéro 4, 5. Pareil. Donc ça, je le laisse poser franchement 3 minutes, ça suffit. Bam, je rince. Ensuite, par la suite, je vais utiliser ce produit. Donc, c'est le dernier produit Olaplex que j'ai à vous présenter. Ensuite, je vais utiliser ce produit-là. Donc, c'est le numéro 8. Donc, ça, c'est vraiment... il y a écrit hydrate, lisse, renforce et fait briller. Il hydrate et il rend les cheveux brillants. Donc, moi, c'est un produit que je vous conseille de fou, par contre, lui. En fait, moi, les produits que je vous conseille le plus chez Olaplex, où franchement, je me dis, vous pouvez mettre l'argent, c'est les trois-là. Donc, c'est le numéro 3, le numéro 0 et le numéro 8. Moi, après le shampoing et après shampoing, franchement, non. Je pense qu'en vrai, tu peux très bien utiliser un shampoing et un après shampoing lambda. Du coup, t'as rincé tes cheveux, je sors de la douche. Moi, il faut savoir que j'utilise une serviette en microfibre. J'utilise une serviette en microfibre, pardon. Je roule mes cheveux, tac-tac, je laisse comme ça, je laisse un minimum sécher. Ensuite, je viens démêler mes cheveux avec une brosse comme ça. Alors, en fait, il y a des cheveux morts, j'aime. Il y a des cheveux. Alors, voilà, donc ça, c'est une brosse wet brush. Et en fait, c'est les brosses spéciales pour ne pas abîmer les cheveux. Il y a les Tangle Teaser aussi, j'en ai une, mais elle m'a saoulée. Ça fait 10 ans que je l'ai, elle m'a saoulée. Après, vous n'êtes pas obligé, je viens de le dire. Parce que c'est des brosses quand même, elles sont un peu onéreuses. Sur Shein, il y a des imitations. Voilà. Et ce produit-là, avant de passer à la suite. Donc lui, c'est un produit de chez Revlon. Je vous en parle H24, ça fait des années par contre. Ça, c'est pas aujourd'hui que je l'ai découvert. Ça, à la base, je l'ai découvert quand j'étais blonde. C'était ma coiffeuse qui l'avait utilisé sur mes cheveux et mes cheveux pour moi c'était incroyable par la suite, donc j'ai décidé que c'était grâce à ça et franchement oui. En plus c'est un traitement en 10 étapes, en fait il a 10 bienfaits. Bien évidemment c'est écrit en anglais, c'était sur la boîte qui avait écrit en français, j'ai le seum. Bref, il protège de la chaleur, il fait tout. Voilà, c'est un produit, il fait tout. Et il faut savoir que c'est un produit sans rinçage, mais il faut pas en mettre trop parce que sinon t'as le cheveu gras. Je mets le produit en barre d'infos, vous pouvez le trouver à normal. Pareil pour la brosse, je l'achète à normal la brosse. Par la suite, donc ma dernière étape. C'est cette brosse là, elle est incroyable, c'est la meilleure du monde, je vous mettrai le lien en barre d'infos, de toute façon je vous en parle tout le temps, ça fait des années que j'en parle, enfin des années, je suis mytho, ça fait un an, parce que ça fait qu'un an que je l'ai depuis l'année dernière, bref. C'est une brosse lissante, chauffante, voilà, donc ça c'est un effet brushing, voilà, donc t'as cet effet là avec mes cheveux, faut savoir que j'ai les cheveux très frisés, très frisés les filles. Et bien avec cette brosse c'est qu'elle chauffe pas beaucoup, au début moi je trouvais que ça me posait problème, mais dès que t'apprends à la manier, comment elle chauffe ça te suffit. Voilà, parce que ça, il faut savoir que c'est un truc qu'il faut apprendre à le manier, c'est avec le temps que tu auras un beau résultat. Moi, au début, j'étais là en mode, non, j'ai les cheveux gonflés, flemme. Mais plus tu t'apprends à utiliser, plus c'est très bon. En fait, il faut apprendre à utiliser la brosse, sinon au début, tu vas pas aimer. Donc voilà, sur Amazon, des fois, elle a 30€, ils font des offres où elle a 30€, mais je crois que de base, elle a 40 ou 45€, elle est pas très chère. Franchement, moi, je trouve que ça vaut grave le coup. Elle est incroyable, la brosse. Elle est top, elle abîme pas les cheveux. Et du coup, voilà. Donc du coup là je vous ai montré tout ce que je fais. Ensuite si je peux vous rajouter 2-3 petits conseils, comme je vous ai dit, c'est de laver ses cheveux le moins possible. Comme je vous ai dit, moi je les lave une fois tous les 10 jours, 2 semaines. Ce qui fait qu'il n'y a aucune source de chaleur sur mes cheveux pendant 2 semaines. En fait moi il n'y a que la brosse qui passe une fois après la douche et après c'est fini. Donc je le fais vraiment que après la douche. Après c'est fini, les soeurs je connais pas, j'en ai plus. Voilà, j'en ai pas.
Je cherche pas à racheter parce que si je rachète le lisseur, je retombe dans le vice du lisseur, c'est fini pour ma gueule. Moi, ce résultat-là, il me va. Tu vois, ça fait un peu cheveux, tu vois, à la Britney un petit peu avec volume et tout. J'aime bien. Après, ça dépend des goûts, bien évidemment. Même si vous avez un lisseur chez vous, vous n'avez pas cette brosse, c'est que après la douche. Que après la douche, après c'est fini. Ensuite, avant de dormir, j'essaye d'attacher mes cheveux. Je ne dors pas les cheveux attachés parce que ça les abîme avec le coussin. En fait, t'as des frottements. Et ça abîme les cheveux. Donc je fais plus de bain d'huile parce que je trouve que ça étouffe mon cheveu et même ça me fait chier. Voilà, je vous dis vraiment la vérité, ça me fait chier. Moi, les seuls trucs que je fais de temps en temps, c'est que je fais des masques à la banane, je vous en parle tout le temps. Je prends une banane, je l'écrase en fait avec un mixeur parce que si tu as les morceaux de banane, je vais te dire c'est une galère à enlever. Je mets un jaune d'œuf dedans, de l'huile d'olive, un peu de miel si t'en as. Fous ça dans tes cheveux, tu rinces, t'as des cheveux incroyables après. Incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre routine cheveux. Des conseils à me donner, je suis grave freneuse parce que je suis grave pas une professionnelle. Moi je viens de débuter là, je viens de commencer, je viens de comprendre un petit peu mes cheveux, comment ils marchaient. Et puis voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais de gros bisous.